Salut à toutes et à tous, c'est Opium. On se retrouve cette semaine non pas pour parler d'un genre de jeu ou d'une console, mais plutôt d'une société de développement et d'édition de jeux vidéo, j'ai nommé Infogram. Cette entreprise a beaucoup marqué les esprits, surtout au début des années 90, et a traumatisé toute une génération, entraînant encore aujourd'hui une réputation de jeu pourri, de jeu dur. Il faut bien reconnaître que le génie de son créateur, la beauté des graphismes des jeux, a fait d'Infogram une société mondialement connue. Revenons donc ensemble sur l'histoire d'Infogram à travers quelques anecdotes, les dates clés de l'entreprise et des images de jeux. L'histoire commence en 1982 quand Bruno Bonnell entre comme commercial chez Thomson qui vient juste de sortir son premier ordinateur, le T07. Très ambitieux et ayant de nombreuses idées, Bonnell s'associe avec un ancien ami de Matsup, Christophe Sapé, pour écrire un livre pratique de l'ordinateur familial qui leur apportera 63 000 francs. Il décide d'investir cet argent dans une société d'édition de logiciels de loisirs. La société Infogram fut donc créée en 1983 à Lyon par Bruno Bonnell et Christophe Sapé. Au début, les fondateurs voulaient baptiser la société Sboop System. Finalement, le nom reprendra les mots informatique et programme pour donner Infogram avec un seul M. Le logo reprendra le tatou, Bruno Bonnell expliquant que ce dinosaure est notre symbole, le tatou a toujours survécu au changement de son environnement, nous voulons pareillement être là dans des millions d'années. La FNAC a été le premier à commander 200 exemplaires de leur premier jeu, Autoroute. Une équipe de programmeurs, de commerciaux et de financiers commence à se former autour des fondateurs. Dès sa première année d'existence, grâce aux jeux Alpha 7, Dédale et L'Intrus, Infogram réalise 1 million de francs de chiffre d'affaires. En janvier 1985, Laurent Fabius met en place le plan Informatique pour tous afin d'initier les 11 millions de lycéens à l'informatique. Infogram crée un produit, le Cube Basic, comportant 4 cassettes et un livret de découverte de l'ordinateur T08, qui se vend comme des petits pains à l'époque. Cube Basic sera vendu à 90 000 exemplaires et la société Infogram décolle complètement. Entre jeux vidéo, logiciels de traitement de texte et de comptabilité, Infogram commence à vouloir absorber d'autres sociétés. Des filiales spécialisées sont nées à ce moment, comme Air Informatique pour la simulation et la science-fiction, Cobra Soft pour les jeux de stratégie militaire, Caraz Edition pour l'éducatif, Dracos pour le fantastique et Mediavision pour l'adaptation de bande dessinée. En effet, c'est surtout l'adaptation de bande dessinée qui permettra à Infogram de se tailler une excellente réputation. Cela commence en 1987 avec 4 jeux sur le héros Bob Moran sortis sur Amstrad, Thomson, Atari ST et Amiga. Ce sera finalement un fiasco total et Infogram connaîtra quelques difficultés financières à cette période. Une fusion avec la société américaine Epix échouera même qui aurait pu leur permettre d'assurer une rentrée d'argent. Infogram s'en sort grâce à l'édition de jeux principalement, dont l'excellent L'Arche du Captain Blood sorti en 1988. A partir de là, Infogram va renouer avec le succès. En 1988, ils obtiennent un accord pour adapter un jeu sur le personnage de bande dessinée Bobo, puis reçoit les droits de distribution du succès mondial SimCity de Maxis, se chargeant également de la localisation du jeu. Tout va ensuite s'enchaîner, Infogram sort le premier RPG en 3D en 1989 nommé Draken, puis adapte la bande dessinée Les Tuniques Bleues en jeu vidéo, un jeu variant le gameplay entre gestion, stratégie militaire et beat'em all, en gardant le ton humoristique, le jeu s'appellera North and South. Sega contactera Infogram en 1991 pour développer le jeu Fantasia avec Mickey, sortira ensuite le jeu Advantage Tennis la même année. En 1992, Infogram sort Alone in the Dark qui leur procurera un succès international jugé comme la plus belle réussite de la boîte par Bruno Bonnell, un jeu qui se vendra à plus d'un million d'exemplaires considéré comme le premier jeu de survival horror. Bruno Bonnell et Infogram continuent sur leur lancée en exploitant le secteur des adaptations de bandes dessinées en jeux vidéo. Se mettant en contact avec Uderzo, les droits sont acquis pour développer un jeu Astérix pour la Super Nintendo fraîchement sorti sur le marché des consoles. Le succès est au rendez-vous et permet à Infogram un coup de maître, l'exclusivité pour la plupart des BD franco-belges. De nombreuses maisons d'édition veulent s'associer maintenant avec Infogram. D'abord avec Astérix en 1993, suivi des studios RG pour les Tintins en 1994,
puis Lucky Productions pour les Lucky Luke en 1996, et même Bugs Bunny cédé par Warner en 1999 sur PlayStation. Infogrames développera des jeux issus de la bande dessinée jusqu'au milieu des années 2000, puis les accords s'arrêteront et c'est finalement Ubisoft qui prendra le relais pour la plupart des titres. C'est à cette époque donc que Infogrames acquiert une grande réputation. On pourra critiquer la société d'avoir fait des jeux ultra durs et punitifs, comme Spirou, Les Schtroumpfs ou Tintin au Tibet. Les titres étaient souvent courts et c'est d'ailleurs lié, faute de gros budget, la difficulté était augmentée car les jeux étaient courts, ça équilibrait la durée de vie des jeux. Beaucoup de joueurs ont ainsi été traumatisés par les jeux Infogrames. Mais il faut quand même bien reconnaître que les jeux n'étaient pas pourris, ils étaient très fidèles aux œuvres originales, les graphismes et le level design étaient très soignés, la musique et l'ambiance bande dessinée également, malgré des gameplays rigides et énervants. Nous allons voir à présent comment Infogrames est passé d'une des plus grandes sociétés de développement de jeux vidéo au monde, puisqu'ils étaient en 2002 troisième éditeur de jeux vidéo mondial et premier européen, à une société qui s'effondre complètement jusqu'à sa liquidation judiciaire en janvier 2013. En 1996, Infogrames a de l'argent, beaucoup d'argent. Le développement et l'édition de jeux vidéo adaptés des bandes dessinées franco-belges a propulsé la société sur la scène internationale. C'est ainsi que Bruno Bonnell va se lancer dans une importante politique d'acquisition. Les sociétés britanniques Ocean Software et Gremlin sont rachetées, ainsi que les sociétés américaines Accolade, GT Interactive, Paradigm, Hasbro Interactive et Shiny Entertainment également. Infogrames racheta aussi de nombreuses sociétés européennes. Sa stratégie, avoir au moins une société par pays pour étendre son réseau de distribution. Bruno Bonnell voulait augmenter ses parts de marché, aussi et surtout aux États-Unis, d'où le rachat de GT Interactive par exemple, qui fit passer Infogrames de 15% de parts de marché à 50% grâce aux licences de jeux comme Driver, Oddworld, Unreal Tournament et Deer Hunter. La société Gremlin leur apportera une bonne position sur le marché des jeux de sport, tandis qu'Accolade n'eut pas le temps de respirer après son rachat, puisque la société fut fermée quasiment simultanément. Infogrames édita Final Fantasy IX en Europe, ainsi que tous les jeux Bandai Namco sortis au Japon. La preuve que Infogrames avait du pognon à dépenser, la plupart de ses rachats se firent sans part extérieure. Ils payaient cash sans emprunter, mais beaucoup de sociétés rachetées avaient aussi des dettes et des frais de fonctionnement très importants. Cette politique d'acquisition coûta très cher à Infogrames. En 1999, ils avaient dépensé 350 millions de dollars, même si les recettes en 2002 atteignaient les 770 millions. Malgré tout, la dette augmenta jusqu'à 580 millions en 2002. Tout ceci n'empêcha pas, en 2001, de racheter Hasbro Interactive, qui possédait la société Atari et Microprose. Infogrames changea ainsi de nom et reprit celui d'Atari. Mais la société doit quand même revendre petit à petit ses licences et entreprises pour combler sa dette énorme. Cet effondrement coûtera de fait la place de PDG de Bruno Bonnell, qui est évincé de son poste en 2007 après 24 ans à la tête de l'entreprise. Alors la suite de l'histoire est à l'image de ce que vivra le monde des années 2000. Plus rien de secret, le monde capitaliste appartient aux banques, aux joint ventures, aux rachats d'entreprises, aux regroupements de sociétés pour faire des économies et accroître les dividendes au maximum. Si tu crées une entreprise, tu la fais grossir, il y aura toujours une société plus grosse que toi au-dessus et bim, on te rachète et on ferme tout. Bref, je ferme ma parenthèse anticapitaliste pour conclure sur l'histoire d'Infogrames. Rien de très intéressant en fait. De grosses sommes, des rachats, des reventes, des bilans fiscaux, des concentrations d'entreprises en de multinationales. Infogrames n'échappera pas à cette tendance. En 2009, Infogrames Entertainment adopte le nom d'Atari afin de bénéficier de la notoriété de la marque à travers le monde. La société Atari SA sera en liquidation judiciaire en janvier 2013, puis un groupe nommé Alden Global Capital rembourse la dette, permettant à Atari SA de reprendre le contrôle de ses filiales américaines d'Atari Inc. et d'Atari Interactive. Début 2014, la marque est relancée par la création d'une nouvelle plateforme de jeux en ligne appelée Atari Casino, dont le but est de se concentrer sur les jeux sociaux de casino en ligne. Employant au total 10 personnes, on est bien loin de ce qu'était Infogrames 10 ans plus tôt. Aujourd'hui, Bruno Bonnell travaille dans la robotique avec le même enthousiasme que pour les jeux vidéo, et si la France est aussi compétente et a acquis une réputation dans le monde de la production vidéoludique, c'est aussi grâce à son fondateur Bruno Bonnell et sa société Infogrames. Aujourd'hui, c'est en quelque sorte Ubisoft qui a repris ce flambeau, perpétuant le talent français dans cette industrie. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette chronique, n'hésitez pas à liker et partager si cela vous a plu, et je vous dis à bientôt pour une prochaine chronique. Ciao !